Bonjour à toutes et à tous, c'est Siabankal et on se retrouve sur Warhammer 40 000 Bold Gun. J'enregistre cette vidéo à la suite de la dernière, c'est pour ça qu'il y a encore le petit score de la dernière mission. Et je vous propose de continuer tout de suite, puisque dans la dernière mission, on a tué un sorcier. Et visiblement, ils sont en avance sur nous pour récupérer un artefact qui serait caché dans une chambre forte. Canyon corrompu. Le fragment se trouve dans une sorte de chambre forte dissimulée dans ces canyons. Cherchez les signes de présence impériale et trouvez un moyen d'entrer. Mais attention, les hérétiques vous suivent de près. Et mes munitions partent dès le début. Je sais pas comment on est arrivé là. La mission précédente était assez cool. Ah, on retrouve des crapauds. Ça faisait longtemps. Nos copains les crapauds. Ah, il y a des tumbleweeds. Des virevoltants. Français. Passe. On est sur une planète extraterrestre, mais il y a quand même des virevoltants, excusez-moi. Ah, on n'a plus qu'une seule arme. C'est quoi ça? On peut toutes nos armes? Chelou. On dirait un mode d'extension. Oh, dans la cinématique, on ne montrait pas qu'on perdait nos armes. Explique pourquoi on rencontre des ennemis plus faibles. Ça veut dire qu'il faut faire attention parce qu'on n'a pas toutes les armes auxquelles on est habitué. Voilà, par contre quelques munitions en plus, je dis pas non. On donne quand même des munitions de fusil à pompe, hein, au cas où. Ça veut dire que le fusil à pompe doit pas être loin. Je l'ai pas de base. Hein. À cet endroit là, ok, pas de soucis. Très bien, un petit crapaud qui nous crachera pas dessus. Ouais, non, on va d'abord récupérer des trucs avant d'aller en bas. Non, on peut y aller. Il est blindé ce crapaud de la peste vu le bruit qu'il fait. Voilà, on éteint le feu. Il y a même pas qui a allumé ses bras zéro. Qui les entretient. Il y a que des crapauds ici. Ouais, il y a quand même des munitions de fusil à pompe depuis tout à l'heure. C'est le drone qui a fait ça. C'est quoi ça? Drone fétide. Ça a l'air sympa. C'est mort. Sympa ce drone fétide. On trouve plein d'autres, c'est cool, on n'a qu'une arme de base. Première arme qu'on ait eue. C'est toujours mieux que le fusil à pompe. Hein. Choisir. Un truc de vie qui traîne à l'intérieur, on le voit qui dépasse.
Ouais, j'ai dû rater le fusil à pompe, je pense. Il y a encore des munitions de fusil à pompe. Il est trop loin pour m'atteindre, je pense. C'est long, hein. Mais quand même. J'ai pas non plus trouvé de mécanicus, hein. Améliorer mon arme niveau 5 de puissance. Ceci étant, le design de la mission est plutôt cool. J'aime bien les déserts là. Et on peut faire le tour par là si on veut, visiblement. Ah bah le mécanicus c'est là. Du petit crapaud de peste. Alors on va améliorer la seule arme qu'on a, hein, de toute façon. Je vais dépenser autant de munitions que ça à chaque fois que je veux explorer un truc, pour ramasser une grenade. On va pas s'en sortir. Hein. J'ai l'air d'avoir un truc en haut. Et ça, quand une fois que je serai un peu plus monté. Voilà, il nous faut une clé, pas de souci. Là, il y a de la vie. Viens de trouver statue corrompue. Ah, bah forcément, c'est un hérétique que j'ai tué. Ah non, un aspirant champion, il me reste 6 balles. Zéro munitions, heureusement il est mort. Voilà. Au corps à corps, on se le fait à l'ancienne. Les fusils à pomper là. Bien, on voit ta grenade. Moi aussi j'en ai une grenade. Bien, mange ça. Cool, on finit les munitions. C'était la difficulté non nécessaire, la difficulté voulue juste par une induction de nos armes et de nos munitions. On va aller voir ce qu'il y a là. Petit secret. Munition de Bolter Kraken, très bien. Ça. Les munitions. Il y a plein. Dommage. De l'autre côté, une porte. Attendez, attendez. Mais oui.
C'est la même que de ce côté-là, on dirait. Il est tombé le crapaud de peste. Oh, il est pas mort. Super. Encore un drone fétide. Il répond à la poste, la peste de Nurgle partout. Munitions, je prends. On va d'abord faire le tour par là. L'autre porte s'est ouverte automatiquement. Donc les deux étaient jumelés. C'est ce que je pensais. Et grenade, ça tombe bien, on en avait utilisé contre les Space Marines. Corrompus. On reniait leur foi envers l'Empereur Dieu. D'accord. Au revoir. Il s'est suicidé. Et la vie. Et pas de secret ici. Pas de secret ici non plus. Ça veut dire qu'il y en a pas un à l'étage en dessous. Non. Ah ah. Bon bien. Avançons. Caché dans les herbes toi, petit coquinou. Papa. C'est de bon augure pour l'accueil. Mais 5 sur 5 pour l'accueil sur TripAdvisor. L'accueil est chaleureux. Il y a toujours du monde pour vous accueillir. Il bave un peu, mais... Ah ah. Mon avis, d'abord sortira par là plus tard. C'est bizarre sinon. Difficile à atteindre. Aïe. Il va me filer une balle. Économiser les munitions. Les fusils plasma par contre, j'aime pas. Mal. Alors, suivre les câbles. D'accord, très bien. Voici, il faut suivre le conduit, mais il faut suivre les câbles. Rien de spécial. Ok, bah mets-moi dessus, je vous dirai rien. Les câbles passent par là. Ouais, on va dire. C'est vraiment la suite du niveau. J'ai l'impression, ça va vachement loin. On va finir d'explorer la zone avant.
Qui dit je vois une petite plateforme, me dit voilà, il y a une petite grotte. Super. Et ben j'y ai plus perdu que gagné hein, dans cette grotte. Même pas de secret en plus. Pas visible du moins. Et où est caché, à casser, non. À côté de ça, je pense que c'est pas trop défini. Comptez par là. Là-bas, c'est bon. Pause. Ah bon, que ce soit la petite montée qui mène là-haut. On est obligé de se prendre des coups là, à part être hyper actif, sinon. Et petit saut pour la forme. Ah super, il est esquivé. Et vous savez quoi, on va redescendre. Voilà. Un peu d'armure. Ok, ici il y a pas grand chose, c'est un moyen de contournement. Et bien sûr que je recharge à ce moment-là, ça me permet de me blesser. Ok. Ah, le plasma. On récupère toutes nos armes. Quantité abondante de munitions détectées. Tu m'étonnes. Et... on a tiré dessus, hein, nous. Ok, qui nous dit qu'on nous a donné le plasma veut dire qu'on doit l'utiliser. Magnifique. Ah, c'est un humain attaché à un espèce de drone. Pas sauter dans le vide toi. Et là ça va. Aspirant champion, aspirant champion. Et d'autres copains qui traînent. Quasiment plus de munitions à plasma.
Et quasiment plus de munitions à plasma, toujours. Ok, plus de munitions en plasma. C'est un crapaud à buter. Bonhomme. Je pensais avoir vu un crapaud, mais... Ah, je sais bien qu'il y avait un crapaud quelque part, je me fais baver dessus. Il y a même des méchants que j'aime pas. Voilà, les petits avec le fusil à plasma. Et où le crapaud? Je l'ai tué tout seul? J'ai l'impression qu'il est sur les rochers là. C'est bien ça. Ok, on est pas mal. Bon, munitions, on est pas extraordinaire, mais ça va encore. Un peu de vie là, un peu d'armure là. Il nous reste des trucs. Des munitions. Des grenades. Le Geomax. Eh bien, avançons. Donc eux, ils ont pas entendu la baston qui s'est passée juste à côté. Hein. Ça peut être les humains les plus sourds de tous les temps. Petite grenade pour votre accueil. Non, pas d'autres copains. Par contre, deux de mépris pour le gros truc, non, c'était une mauvaise idée ça. J'ai cramé un gros stock de mépris d'un coup. Plutôt un possible stockage de mépris d'un coup. Niveau terminé. 2 minutes. Ah, il nous reste des ennemis quelque part. On n'a pas trouvé beaucoup de secrets, ils avaient l'air d'être toujours avec des ennemis. Ça fait qu'une vingtaine de minutes, donc je pense qu'on va faire le niveau suivant, ça fera un niveau un peu plus long. Canyon des voies ferroviaires magnétiques. Des chariots de marchandises à lévitation magnétique relient les avant-postes de l'Imperium de cette zone. Utilisez-les pour trouver l'entrée de la chambre forte. Faites vite, car les forces du chaos passent déjà la vallée au peigne fin. Ok. C'est passé. De nouveau avec mes trois armes récupérées juste avant. Oui, le changement de région m'a fait perdre mes armes, mais... Je suis dans une même région, visiblement. Ah, bonjour toi. On est repassé de Nurgle à Slaanesh, ou celui qui fait des démons, visiblement. Que Nurgle doit aussi faire des démons, mais... On est moins en mode crapaud de peste et plus en mode démon classique. Pas monter. On peut pas monter. Je ne veux pas monter. Tac médico, d'accord, très bien, je m'en fiche. Là, il y a rien du tout. Alors d'avoir d'ailleurs qu'il y a rien du tout. Ok, ça c'est l'entrée. On est revenu en arrière.
Magnifique. Bah, moi je dis on, c'est jeu. C'est un cul-de-sac. Regarde, c'est un peu bizarre ces colonnes. Des grenades, ok. Et là, il y a un méchant là. Et je suis repéré, je pense. Parfait. Et il me faut une clé, pas de soucis. On sait qu'on file un snipe. Oh, mauvaise idée ça. On va y aller à la Space Marine. Hein. Voilà, il y a un moment. Ni de faire dans la dentelle. Tu peux récupérer ce point de vie, s'il te plaît? Ok, il veut pas. Pas grave. On fera 100. Magnifique. Attiré par le bruit. Je trouve le secret, mais je me fais blesser. Magnifique. C'est lui en apparaissant qui m'a... Il fait peur, mais bon. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il n'y a plus qu'à tuer. Alors qu'on n'a toujours pas trouvé de Mechanicus à mon avis. Ça veut dire que j'ai loupé parce qu'on est quand même... quelques minutes du début du niveau. En général c'est un peu avant ça quand même. Dommage de gâcher les munitions comme ça pour ce petit bonhomme là. Voilà, ça règle le problème. Il y a encore un mec là-haut. Ok, il bouge. Voilà. Ok, bon, j'ai été récupérer la clé avant de trouver la porte, mais bon. Ouais.
On a déjà deux clés, on n'est pas au début du level, quoi. Le Mechanicus, on l'a déjà loupé, je pense. Et on va aller voir de l'autre côté, parce que j'ai loupé. Oh, wow, wow. Super, un aspirant champion. Voilà. Allez, boum. Il y en avait un autre. Ok, bon, je peux ouvrir des deux côtés, enfin en tout cas ça s'est pas ouvert des deux côtés. Ok. Grenade dans ses dents. J'en récupère une. Il y a un gros en haut. Pareil, petite grenade. Troisième, et on est bon. C'est parti! Sans les ennemis, ouais, bien sûr, sur le chemin. Ok. C'est une bestiole volante, mais ça va. Génial. Génial. M'apprendra à recharger trop souvent ça. Mauvaise habitude que j'ai selon les jeux. La munition, ok. On va au moins trouver un secret. On va dire ça comme ça. Ah génial, il a fallu qu'ils reviennent à la vie. Voilà le champion, tu meurs. Je ne reconnais qu'un seul champion. Et c'est moi, champion d'extermination d'hérétiques. Ok. C'est un peu trop présomptueux, mais... Ah, adieu. D'accord, c'est bien de nous mettre des ennemis et... Y'a un truc qui se rebarre juste derrière.
Alors, ça a pu s'activer? On va passer dessus alors, aïe. Les signes de vie hérétiques ont disparu. Ouais, mais non. Je peux te confirmer qu'ils n'ont pas disparu totalement, en tout cas, les hérétiques. Là où il y en avait un juste à côté de moi. J'y arrivais pas. Eh ben dis donc. Mais bien ici. On sait s'amuser dans le coin. Il y a des petits cons. Et bon, il y a des petites personnes non sympathiques. Oula. La vie à 200, l'armure à 200. Est-ce que c'est là-bas? Mais j'essaie de le viser. J'essaie de le viser avec une arme plus précise. Pas vraiment un secret. Et juste en plus si on veut. Ça par contre peut-être. Non, c'est juste des places pour les ennemis. C'est quand même bien, ils ont des téléporteurs calibrés. Au cas où quelqu'un pourrait rajouter un mode de tramway. Ah, tu me passes au-dessus. Toi, t'es le mec que j'ai commencé à blesser. Voilà, ça c'est fait. Évidemment, il fallait qu'il y ait un aspirant champion. Est-ce que tu vas revivre? Non. Ça va, je préfère ça. Et cette fois, il reste la machine. Le rail électrique. Contrebas. Ouais, mais j'avais vu, du coup, un autre moyen de passer de l'autre côté. Là-bas, il y a un truc déjà. Ah bah, c'est le Mechanicus, il est là. Ce niveau-là du niveau, justement. À part l'atteindre depuis la plateforme. C'est le Terminator du chaos. Aïe! Voilà. Et on a gagné une clé en plus. On aurait certainement eu besoin plus tard. Une petite grenade. Voilà, kebab. Et magnifique. Ok, je réapparais là.
coup, pas tant de ça. C'est peut-être la sortie de l'autre truc. J'ai encore des bestioles volantes à tuer? Bah dis donc. J'ai l'air d'avoir grand chose là, juste des cadavres à piller. Légèrement en hauteur, on peut se tenter. Magnifique. Maintenant, on va retourner voir le copain qui nous a fait tomber. On était bien en armure et en vie avant. Voilà. Donne-moi tout ton mépris. Je vais dire, j'espère que ça en valait le coup, mais pour l'instant... Aïe. Tu le revives, toi. J'ai l'impression que s'il me touche pas, il revive pas. Ouais, c'est ça. J'arrive là. Logique. C'est logique. Attendez-vous, une embuscade. Mais t'inquiète, les embuscades, elles ont déjà été traitées, les embuscades. J'ai déjà nettoyé ce qui passait. 30 munitions. Chargé. On va recharger. Et recharger, on est bon. Encore des méchants? Je l'ai fait deux fois ce trajet. Bon, on n'y est pas été. Hein. Oh. J'avais pas vu, cette bestiole. Il y a plein de méchants en bas, en fait. Pas très fair play de m'attendre sur un coin de mur. Est-ce qu'il y a là-bas, mais on va essayer de le taper, le sniper. Non, la menace est pas éradiquée. Voilà, maintenant la menace est éradiquée. Et pas là, y'a rien.
Voilà. C'est toi tranquille tout ça. Ok. Eux, c'est des bons moyens d'avoir des petits points d'armure. Pas difficile à battre quand ils sont à un tout seul, ça va. Et là, il y a un ascenseur. Là. Oh là là, c'est quoi ça? Il y a un méchant. Il a pas l'air de tirer. Bulle. J'ai déjà la bonne clé, donc Ah, c'est un raccourci vers le début, on dirait. Bon. Pas un raccourci, mais juste l'endroit où il fallait aller. Bon, une en arrière alors. Mais non, je ne peux plus. Bon, j'ai raté ce qu'il y avait de l'autre côté alors. Ça, c'est salaud. Bon, peut-être après la purge, faut voir. Ça ressemble au début, mais non, c'était pas le début. De voir un tube briller là, par là. Ok. Donne-moi des chargeurs. Ah, y'a un exalté. Super. Plus que rien. Ok. La purge d'hérétique est terminée. C'était pas très très difficile. Ok, donc c'était bien ça, c'était le temps de la purge. Je vais même aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est une option qui s'offrait à nous. À mon avis, c'est l'autre caisson où on pouvait aller. On aurait pu peut-être sauter. Depuis, pas du tout. C'était là-bas, là-bas, ça me mènerait, mais non. C'est là. Très bien. Que on voudrait revenir en arrière après le grand saut. Donc pas trop d'intérêt. Ah, rien, j'ai plus de munitions. Hop, deux petites munitions. Récupérer ça. Voilà, des petites munitions, ça te prend toujours. On tourne toujours sur les mêmes armes, hein. On n'a toujours pas trouvé de nouvelles armes. Alors qu'il y a encore 4 cases de libre. Après, tout n'est pas forcément rempli. S'ils prévoient des DLC ou des choses comme ça, peut-être qu'ils ont fait les cases en conséquence, mais ça serait étrange quand même. C'est bon, j'ai pas toute mon armure.
Et un grand truc de protection. Là, c'est de la protection et de la vie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de protection et beaucoup de vie par rapport à certains niveaux qu'on a passés dans l'Imperium. La base de l'Imperium. Contre le... Pas contre le sorcier, mais contre le duc, par exemple. C'est bien plus chaud. Voilà, il y a des méchants. Voilà, ça c'est fait. Prends ça au passage. C'est un secret. On a cramé des grenades, mais bon. Vu ce qu'on a tué en échange, ça me va. Ah bah, c'est la fin du niveau. On a pas fait tous les secrets, on a certainement oublié quelques mecs, voilà. Dans les deux phases où fallait se défendre sur le tramway. Mais bon. Ok, eh bien, niveau terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.